On va commencer par Kafset Hamoud Alef, la Mishnah qui est au bas de la page. Bien que nous ayons déjà fait ça, mais juste pour entrer dans le sujet, on va relire. C'est le sujet des Arba Parashiot, Les quatre Parashiot exceptionnels qu'on lit durant le mois de Hadar. Donc évidemment, euh, les deux Parashiot avant Purim, c'est Shkalim et Zachor. Les deux Parashiot après Purim, c'est Parashat Para et Parashat Achodesh. Hier, on a expliqué la raison pour laquelle on doit lire ces quatre sujets. Alors, rappelons très succinctement, Shkalim, c'est par rapport à la mitzvah de Mahatzit shekel qui était une mitzvah annuelle que Ram Israël devait accomplir à l'époque du Pétamigdash en apportant leur Mahatzit shekel pendant le mois de Hadar afin que Rosh Chodesh Nisan se soit déjà tout prêt, qu'on puisse acheter les korbanot tzibour. <coughs> Tous les sacrifices communautaires collectifs devaient être achetés avec l'argent du tzibour qui avait été collecté avec ce machatzit à Shekel pendant le mois de Hadar. Et ça commençait donc à partir de Chodesh Nissan qui arrive juste après Hadar. Ensuite, parachat Zachor, c'est Zachor Tacher Aserlecha Amalek, la mitzvah d'anéantir Amalek. Et c'est ce qu'ont fait Ram Israël quand ils ont combattu Haman et tous les Amalekim à l'époque de Purim. Donc, l'ismoch Zechirata Le'asiata, Ve'ayamim A'ele Nizkarim Ve'na'asim, la Zechira avant la Ça, c'est pour. Les deux parachutes d'avant Pourim. Après Pourim, on a Parachat Para. Pourquoi Para Adouma Car grâce au cendre de la vache rousse, on avait la possibilité d'asperger l'homme qui était tamé. Quelqu'un qui était au contact d'un mort qui était impur, il ne pouvait pas sacrifier le Corban Pesach. Alors comment il allait faire Il fallait l'asperger le troisième jour et le septième jour, avant qu'il aille au Mikvé le septième jour. Et c'est comme ça qu'il devenait Tahor pour pouvoir accomplir la mitzvah du Corban Pesach. Ensuite, Parachat Ahodesh, c'est dans cette Parachat Beau qu'on retrouve le passage de Parashat à Hodesh qui parle du Corban Pesach et en effet rosh hodesh Nissan on commence à se préparer pour accomplir toutes les mitzvot relatives au mois de Nissan et surtout relatives à Pesach. <coughs> Alors la Mishnah nous dit rosh hodesh Adar shehaliyot beShvat korin beparashat kalim C'est-à-dire que si rosh hodesh Adar tombe Shabbat. Alors, on va lire Parashat Shekalim. Il faut comprendre une chose c'est que tout ce qu'on va étudier aujourd'hui, étonnamment, ne, ne correspond pas vraiment à ce que nous faisons. C'est-à-dire que nous, on a l'habitude de lire la Parashat de la semaine, et à la fin de la Parashat de la semaine, une fois qu'on a terminé avec les sept Olim, les sept montées à la Torah, le maftir va lire la parashat exce parasha exceptionnelle, soit Shkalim ou Zachor ou Para ou Achodesh. Ici on nous dit, Rosh Hodesh Adar Shehaliot be Shabbat, Korin be parashat chez Si le Rosh Hodesh Adar est tombé Shabbat, alors ce Shabbat-là, on va lire Parashat chez Nous comment on fait Eh bien on fait sortir trois Sfarim. Premier Sefer, il y a six montées qui vont lire Parachat Ashavua. Deuxième Sefer, il va lire Rosh rodesh Troisième Sefer, c'est le Maftir, il va lire Shkalim. Haliot Betokh Shabbat. Mais si Rosh Hodesh est tombé, non pas le jour du Shabbat, mais il est tombé Betokh à Shabbat, que veut dire Betokh à Shabbat On a déjà dit, c'est pendant la semaine. Alors dans ce cas-là, si Rosh Chodesh Adar tombe pendant la semaine, quand est-ce qu'on va lire le Shkalim Non. Quel shabbat Lequel Shabbat Lequel Avant Rosh Hodesh ou après Rosh Hodesh Avant Rosh Hodesh. Très bien. « shabbat Si Rosh Chodesh Adar tombe pendant la semaine, parashat Shkalim, on va être « makdimota leshe'avar » le Shabbat qui précède Rosh Chodesh. Ou les Shabbat Et on va s'arrêter de lire une paracha exceptionnelle, le Shabbat suivant. C'est-à-dire qu'on ne va pas lire paracha de Zachor, le Shabbat suivant. On va attendre encore un Shabbat. Pourquoi on, on fait ça Pourquoi on est mafsik Parce qu'on voudrait que Zachor soit juxtaposé à Purim. Bachnia Zachor. Donc le Shabbat. D'après c'est Zachor. « Bachelishit para Aduma, troisième Shabbat para Aduma, Barivirit a Hazelachem, Rosh Hodashim, quatrième Shabbat, Bahamishit, Hozrim le Kesidran, le cinquième Shabbat, on reprend normalement le ceder de Parashat Achavua. Naron. ici on va voir que exactement. Alors il y a deux possibilités comment expliquer c'est quoi Kessidran. On va voir de quoi il s'agit dans la Gemara. La Kol Matsikin. Normalement, normalement, on a Parashat à chavoir Et on n'arrête pas le rythme de la lecture. Chaque semaine est la section hebdomadaire relative à la semaine. Ce qu'on appelle Parashat à Shavua. Mais quand est-ce qu'on marque un arrêt et on ne lit pas par à par exemple, mmh. raché hodashim, b hanouka, Hodashim, Behanouka, Bepurim, Betaraniot, ou Bemaramadot, ou à ce moment-là, on arrête la lecture classique normale du Shabbat, ou bien si c'est un lundi et jeudi, on arrête la lecture classique pour lire le sujet. Soit de Rosh Chodesh, soit Hanouka, soit Purim, soit Tahaniot. Donc on ne parle, on parle pas de Shabbat évidemment, on parle du lundi-jeudi. Mahamadot, la lecture de Mahamadot, c'est la lecture de Mahase Béréchit, qu'on va lire ce lundi ou jeudi. Ou bien ma et à Minha de Kippur également. On ne va pas lire, si Kippur tombe Shabbat, on ne va pas lire Mincha de Shabbat, la Parashat Shavua, on va lire le sujet de Kippur. Voilà ce qu'on a étudié déjà hier, donc on a fait juste une révision. Maintenant, la Guémara. Guémara, maintenant, va analyser détail par détail. Premièrement, je voudrais juste faire une introduction et dire que ce DAF est complexe et compliqué. C'est peut-être le DAF le plus dur de ma Serrette Megillah, parce que, premièrement, ce n'est pas notre manière à nous de faire. Vous allez voir que. La lecture des parachiotes, des arbres ça se faisait autrement à l'époque. Et en plus, c'est qu'il y a des discussions. C'est quoi Parachat Shkalim, par exemple? Pour nous, on connaît Parachat Shkalim. Là, on va voir des discussions. Quand on a des débats et des discussions par rapport à des sujets que nous pratiquons autrement, alors ça rend la chose complexe. Parce que ça devient, du coup... Euh, abstrait et même contradictoire par rapport à ce qu'on connaît. Alors il faut faire un reset, <laughs> reset, c'est-à-dire oublier tout ce qu'on sait et aborder les choses comme si on ne connaît rien. Gemara, t'nan hatam. On a appris dans la Mishnah la première Mishnah Maseretch Mishna. Kalim. Le premier jour du mois de Adar, c'est-à-dire au Shrodesh, à ce moment-là, le bedine doit annoncer, proclamer deux choses. Premièrement, il doit solliciter le peuple en disant, apportez votre, votre mahatzit à Shekel. C'est ce qu'on appelle Be'adar mashmi'im ala shekelim. Rosh Chodesh le bedine réclame au peuple le mahatzit à Shekel. Et ala et aussi <coughs> ou aussi c'est de détruire et d'arracher les kilaïm. Parce qu'on n'a pas le droit de semer des mélanges, des graines mélangées. On n'a pas le droit de faire des croisées au niveau des plantes, de la végétation. Le kilaïm, c'est interdit. Et même si ça s'est fait tout seul, on doit arracher. Le beddine va dire, rabotay arrachez les kilaïm qu'il y a dans votre champ. Sinon, plus tard, c'est les Shlouhim du beddine qui vont arracher. Alors Lagmara pose la question, elle dit: Pourquoi on fait ça au mois de Hadar? Elle dit: Bishlama, première ligne de daf Kafet et bish Bishlama ala kil'ayim desman zriahi et la ala minalan. Encore, je peux comprendre pourquoi est-ce que le Beddin attend le mois de Hadar pour nous demander d'arracher les kil'ayim, les mélanges les, les plantes qui sont mélangées, qui sont interdites. Je peux comprendre pourquoi c'est au mois de Hadar, parce que c'est le zman de la c'est le zman de la semence. Quoi On sème au mois de Hadar, mais on sème au mois de Rejvan. Le, la, la période des semailles, c'est pas au mois de Hadar. Hadar, on est proche de la récolte déjà. Tosfot, d'avka Tosfot dit, ce n'est pas précis quand on nous a dit que euh, Hadar, c'est le mois de la zria. Zman, l'abdav katzman zriah, shehare lo habeh hazman, elarotzel lomar, sof zriah, ukvarg gadlu hatevuot veazraim, veazakil aheim nikkarim, aval kodem lachem, kodem lachen enam nikkarim. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on a décidé que ce soit le mois de Hadar, euh, le moment pour arracher les plantes qu'il aimes? C'est parce qu'à ce moment-là, ils sont Nikarim, Qu'est-ce que Là, maintenant, ça a poussé et on voit quelles sont les plantes mélangées. Mais avant, elles sont très, très petites, on ne remarque pas encore. Donc, lorsqu'on dit zria, ce n'est pas le début de la zria, c'est la fin de la zria, justement quand ça a déjà poussé. Alors, on a compris pourquoi le beddine <coughs> proclame qu'il faut arracher les kilhaïm au mois de Hadar, parce que c'est à ce moment-là que les Kil'aïm ont poussé. Mais pourquoi les Chkalim au mois de Hadar D'où on apprend Minalan, Amarabitavi, Amarabi Deamarkra, De amakra, Zot Olat Hodesh Bechotcho, Amratora, Hadesh Vehavekorban, Mitruma Hadasha. Vekevan Debenisan de ba'e akrouve Mitruma Hadasha, Kadminan Bekarinan Be'ehad Be'adar. C'est-à-dire, premièrement, c'est que nous avons un Pasuk, Zot Olat, Hodesh, Le Dans ce passouk, il y a trois fois le mot hodesh. Zot olat hodesh, behocho, lehoche hashana. À quoi cela sert tout cela Regardez la deuxième ligne de Rashi. Kolhane hodashim la pourquoi la Torah a répété trois fois le terme Hodesh? Amra Torah, en fait, ce que la Torah voulait te dire, Hadesh. vers avec Korban mitrumah Hadasha. En fait, ici, c'est dans le sens de Hadesh. Trumah Hadasha, Rashi explique. Et là, Amra Torah, Yesh lecha il y a un mois dans l'année, il y a un mois dans l'année durant lequel tu dois renouveler ton argent. C'est-à-dire que dans le Bet Amigdash, il y avait la lishka. La lishka, c'était la pièce où on déposait tout le mahatzit Shekel. Il y avait des monticules de mahatzit à Shekel. Trois fois par an, le Kohen allait rentrer à l'intérieur pour aller prélever des Mahatzit al pour acheter les korbanot tzibur, tous les sacrifices communautaires comme le Ola Tatamide. Eh bien, la Torah nous dit que chaque année, au mois de Nissan, il faut renouveler cet argent. <coughs> Et d'ailleurs, l'argent de l'année dernière, ça s'appelle Shiyare Halishka. On allait l'utiliser pour d'autres choses. Mais les korbanot obligatoires, tels que at Tamid, Oulata, le, le, le corban Moussaf, les corbanotes des Hagim, les, les, tout, tout ce qu'on apporte à titre d'obligation de, de, nationale, ça devait être acheté avec l'argent de la nation qui se trouvait dans la lishka du Beth Et donc il fallait renouveler cet argent qu'on allait entreposer dans la lishka, et c'est à quel moment on allait commencer à acheter les corbanotes. Avec le nouvel argent, c'était Rosh Hodesh Nissan. Voilà pourquoi la Torah dit zot holat hodash behodsho lehodshei shana, ça veut dire le hodsho kol shana mitruma hadasha. Et d'où on sait que c'est le mois de Nissan. Qui nous dit que c'est Nissan, peut-être c'est un autre mois. Rashi conclut en disant: Vezeu Nissan kedehamrinan rinan bemaschid Degamrinan shana. De gamrinan shana shana min Nissan, dirtiv rishon lachem lehodshei ha'shana. On retrouve dans Parashat Bo que le mois de Nissan, c'est <coughs> le premier dans le cycle des mois, comme comme ça qu'Amoshu a dit à Moshe Rabenu. Hodesh Rosh le Alors on retrouve le même terme, le Hodcheh Hashana. On le retrouve à propos de Nissan, le Hodcheh Hashana. On le trouve à propos de Korbanat Tamid, où on a la Mitzvah d'être Me le les les corbanotes. Eh bien c'est la raison pour laquelle on le sait, que c'est au mois de Nissan qu'il faut récolter le à Shekel pour avoir un argent nouveau pour acheter les corbanotes à partir de cet argent. Et puisque c'est au mois de nissan qu'on doit être macrive de la teruma de l'argent prélevé nouvellement. C'est la raison pour laquelle on lit à la Torah, le, depuis rochrodesh Adar, le jour du rochrodesh Adar qui tombe Shabbat, on va lire Parashat Shkalim, à l'instar du Beddin qui proclamait et qui annonçait au Rame Israël le devoir d'apporter leur Mahatzit à Shekel. Eh bien, cette proclamation se fait également. Au travers de la lecture de la Torah. Quand on lit dans tout le ham Israël, Parashat Shkalim, Rochhodesh Adar, c'est une proclamation pour dire Apportez votre Mahatzit à Shekel au Betamigdash. Qui écrit De litou Shkalim la Migdash. Comme ça, ils vont apporter leur Mahatzit à Shekel au Betamigdash. La Gemara pose une question. Keman selon qui ça marche, cette Mishnah A priori, de Rabban Shimon ben Gamliel. Ça ne correspond pas à Rabban Shimon ben Gamliel. De Rabban Shimon ben Gamliel. Rabban Shimon ben Gamliel, il a dit que deux semaines suffisent. Quand on a besoin d'annoncer au peuple quelque chose, on n'a pas besoin d'un mois tout entier. Deux semaines suffisent. La preuve, c'est qu'on retrouve une mahloket à propos de Pesach. À partir de quand il faut commencer l'étude des halachot de Pessah Selon Hachamim, c'est un mois avant Pessah. Selon Rabban Shimon Gamliel, c'est deux semaines avant Pessah. De Tanya, Shoalim bilchot à Pessah, Kodem la Pessah, Rabban Shimon Gamliel Omer, deux semaines. Donc, a priori, pour Rabban Shimon Gamliel, peut-être que de la même façon qu'il a dit que les halachot de Pessah, on les étudie deux semaines avant Pessah, ainsi, il suffirait de lire Parashat Shkalim deux semaines avant Nissan, Rosh Chodesh, Nissan. Pourquoi un mois avant Donc peut-être la Mishnah ne va pas d'après lui. L'Agmara réfute, elle dit, ma aucun rapport. Même Rabban Shimon Gamliel, qui a dit que pour Pessah deux semaines suffisent, mais pour Parashat Shkalim, il faut un mois avant. Pourquoi te ema Rabban Shimon Gamliel, kevan de amar mor Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une Mishnah dans Maseret Shkalim qui nous enseigne que d'abord, Rosh Adar ont proclamé, ont sollicité le peuple en disant Apportez votre Mahatzit à Shekel. Mais ensuite, on donnait au peuple la possibilité d'apporter leur argent et de convertir leur argent en mahatzit ha-shekel. Pour faire la poing, pour apporter le mahatzit ha-shekel, on installait partout des shulhanim. C'est quoi ces shulhanim C'est des changeurs d'argent. Ils avaient leur shulhan, leur comptoir. Ils étaient assis dans toutes les villes et ils faisaient. L'échange de monnaie. Ça s'appelle Shulhanot. Derrière le Shulhan se trouve le Shulhani, le changeur. Alors, étant donné que c'est à partir de quelle date qu'on avait les Shulhanim, à partir du 15 Adar, et à partir de quelle date on avait des Shulhanot devant le Betamikdash Eh bien, c'était 25 Adar. Alors, je, je répète, Rosh Hodesh Adar, on annonce. 15 Adar, on installe les shulchanot et le 25 Adar, les shulchanot devant le bet Amikdash. C'est pour dire que pourquoi même Rabban Shimon ben Gamliel serait d'accord qu'il faille lire Parashat Shkalim depuis Rosh Chodesh Adar. Pourtant lui, deux semaines, ça lui suffit. Eh bien c'est vrai, deux semaines ça lui suffit, mais c'est deux semaines juste avant l'installation des shulchanot. Alors ça tombe juste, le 15 Adar on installait les Shulhanot, et eh bien, Roshrodesh tu lis Parashat Shkalim pour euh, inviter le peuple à apporter son Mahatzit à Shekel. Et maintenant, la Gemara va poser une question qui nous paraît étrange, car euh, nous savons, nous connaissons la réponse, nous. Maï Parashat Shkalim. La Gemara demande c'est quoi qu'on appelle Parashat Shkalim C'est quoi ce passage de la Torah Eh bien, Mahloket, entre Rav et Shmuel. Rab Amar tsavet ben Israel, ve amarta alehem et korbani l'ahmi le Ishay riach nihohi tishmeru L'akrivli, li bemoado Ushmoel amar Kitissa le début de parashat Kitissa alors je vous invite les amis à ouvrir le Chumash regardez si vous voulez à la fois parashat Kitissa le début c'est là où on voit le sujet de euh, du machatzit achekel clairement explicité et en même temps ouvrez parachat pinhas vous avez à la fin de parachat pinhas la parachat qu'on lit à roche hodesh c'est la, la parachat qu'on lit à roche hodesh en général c'est le sujet du « Korban Atamid At ». Je vous lis, donc, dans Parashat Pinchas. « Vaidaber HaShem El Moshe Lemor, Tzav et B'nei Yisrael, Ve'amarta lehem et Korbanil Ahmi Le'Ishay, Reach Nihuhit Yishmeru L'Akrivli Bemoado, Ve'amarta lehem Zeha Ishi Asher Takrivu L'Hashem, min Eneshanat Emimim Shunayim Layom Ola Tamid, Et Akeves Echa Taase Baboke Vata Keves HaSheni Taase sasapel Ça s'appelle « Korban Atamid ». Et juste après, on nous donne la mitzvah du Shabbat, le korban du Shabbat, c'est quoi le moussaf Ou bien ma Shabbat, chenechévassim, meneshanat, et mimim, mouchne, sonet, Min Ha'belula l'oula, bashemen, vinisko, ola, tchabbat, du Shabbat, ola, tatamid, viniska. Et juste après, il est écrit qu'est-ce qu'on doit sacrifier comme Musaf de Rosh « Au Hotcherem, Hod Shem takrivu Olah Lashem Parim Menemakar Shena'im veAile Had kevasi Meneshana Shivat temimim et ainsi de suite jusqu'à Usair Izim Had Hatat Lashem al Olatatamid Yasevenisco n'est-ce pas <coughs> Donc nous voyons que <coughs> la parasha de Rosh la parasha que nous lisons nous à Rosh hodèche c'est cette paracha que Rav considère comme étant parachat Shekalim. Rav ah Amar, oui. tsa ved que... ben Israel et korbani C'est ça parachat shkalim selon Rav. Et l'agmara va poser la question que vous avez envie de poser. Qu quel rapport avec shkalim Où tu vois ici des shkalim Mais Shmuel, qu'est-ce qu'il dit Ou Shmuel Amar, Kitisa. ça. Shmuel nous dit, c'est la parasha de Kittisa. Alors je vous la lis très rapidement. Bei daber Hashem el Moshe, Kittisa et rosh Ben Israel ifkudem, venatenu ish kopher Hashem ifkodotam veloye negev ifkodotam. Zayi tenu kol laover la mahatzit mahatzita shekel b'shekel la kodesh asrim shekel, mahatzit shekel teruma Hashem. Kol laover alapekudim im ben asrim shanavamala iten teruma tashem. Et achir lo yarbe, ve'adalo mahatzit a shekel, la tet teruma tashem al nafshot voilà. C'est ce que nous appelons parachat chkalim. Parce que nous, on est possèques comme qui Comme Shmuel. On n'a pas été possèques comme Rav. Mais c'est ce qu'on appelle le CNRS. C'est quoi le CNRS Le Centre national de recherche. Ça veut dire que quand on va maintenant étudier la Gemara. Tu dois faire un reset. Oublie la halakha. Parce que sinon, tu ne vas pas comprendre la gmara. Tu vas dire, attends, mais je ne comprends pas. Depuis quand D'où ça sort C'est ça, ça Kalim? Eh bien, il faut comprendre qu'il y a une mahloket entre Rav et Shmuel. Et la halakha, elle est comme Shmuel. Alors maintenant, la gmara va analyser cette mahloket. Regardez les questions qu'on va poser à Rav. Comment vous dites Oui. Rav c'est pinhas. Et c'est Attendez. La Gemara pose la question maintenant. Bish la malemande Amar kitissa. Haïnou de karé la parachat shkalim dirtiv ba shkalim. Et la Amar et korbani lachmi. Achamide shkalim Shekalim, ktive hacha. La Gemara dit. Encore d'après Shmuel, je comprends pourquoi ça s'appelle parachat Shekalim. Parce que dans Parashat Ketissa, on parle clairement du Mahatzit à Shekel. Mais d'après Rav qui dit que c'est le sujet de Rosh Hodesh, le sujet de Parashat Pinhas, où on parle du Olat Tatamid. quel rapport avec Shkalim Il n'y a pas écrit Shkalim là-bas. Alors regardez la réponse. Il a tiré l'épingle du jeu. « In »« Oui »« Tamamay »« Kederabitavi » C'est-à-dire Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Tavi Comme avait dit Rabbi Tavi. Qu'est-ce qui se rappelle Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Tavi On l'a déjà vu là-haut. Vous vous rappelez Rabbi Tavi nous a enseigné que la raison pour laquelle il faut lire la paracha de, de Shkalim deux semaines avant qu'on installe les tables, c'est pour que les Bnéi Israël euh, s'empressent d'apporter leur Terumah hadasha leur euh, Mahadzit Hashakel. Vous voulez voir Rabbi Tavi? Il se trouve à la troisième ligne. Amar abitavi, en haut de la page, Amar Rabbi Tavi, Rabbi de Amar Rabbi Yoshia, déamarkra zot olat chodesh bechotsho, zot olat chodesh bechotsho, amratura Torah chadesh be'avey korban mitrumah hadasha bekevan de ben nisan ba'e akruve mitrumah hadasha kadminan v'karinan be'had be'adar, ki'echid elitush kalim la mikdash. Clairement, nous dit Rabbi Tavi, tu veux savoir où est-ce qu'elle est la mitzvah du Mahatida Shekel Où est-ce qu'elle est, qu elle est Dans Parashat Pinhas. Dans Parashat Pinhas. Pourquoi Parce que dans Parachat Pinhas, on nous parle du Korban Atamid. Et à propos du Korban Atamid, il est écrit, Zot Hodesh À propos, en, encore une fois, le pasuk zot olat chodesh bechodesh le relisons-le. Où est-ce qu'il est Pardon, il est dans parashat Pinhas, pas dans le parachat de olat atamid. Après, au brachas dans la parashat de rosh chodesh, il est écrit zot olat chodesh bechodesh le chodesh Hashanah. osei rizim et hader hatat l'achem al olat atamid yasevenisco. Ça, c'est rosh chodesh, qui figure dans parashat Pinhas. D'où apprend-on l'obligation d'apporter un, un, un mahatzit à Shekel tous les ans avant le mois de Nissan On l'a déjà dit que c'est de ce passouk. La Torah a dit « hodesh bechotcho Ça veut dire qu'il faut être méhadesh, chaque année il faut être méhadesh l'argent pour apporter les corbanotes. Rabotay, s'il vous plaît, pourquoi est-ce qu'on apportait les, les, le mahatzit à Shekel pour les corbanotes. Et, et c'est quand qu'on apportait les corbanotes, chaque année. Euh, N'est-ce pas? Chaque jour, chaque jour. Et chaque mois. Alors, la Torah te dit, chaque année, apporte au Betamique un marathita shekel. Où est-ce que ça figure ça Ça figure dans Parachat Pinchas ou ça figure dans Parachat Kittisa Non Les tsadikim Les tsadikim Parachat Kittisa, là bas on parle du maratsita shekel, de quoi non, de la construction du Mishkan. De la construction du Mishkan. Mais c'est pas le Maratzit shekel annuel. Le Maratzit shekel annuel qu'on devait apporter pour les corbanotes. Chaque année, chaque année, c'est pour les corbanotes, c'est pas pour le Mishkan. Le Mishkan, il a déjà été construit une seule fois. Donc le Maratzit Hekel qu'on apporte chaque année, ce n'est pas pour le Mishkan, c'est pour les Korbanot. Où est-ce que ça figure ça Dans Parachat Kitisa ou dans Parachat Pinras Dans Parachat Pinras. Alors c'est Rav qui a raison. Rav te dit que le parashat Shkalim, c'est justement la parachat de Rosh Ou figure le, la mitzvah d'apporter le Maratzita Shekel. C'est une bombe atomique. Il a Et la Gmara maintenant va retourner la question maintenant à Shmuel. Elle va dire, alors Rav il a raison, toi qu'est-ce que tu réponds <laughs>

Où est-ce que nous retrouvons la mitzvah d'apporter Mahatzit Shekel C'est dans Parashat Pinhas. Alors, comment elle a pu dire que Parashat Shkalim, c'est Parashat Kitissa. Parce qu'elle écrit là-bas Mahatzit Shekel. Mais là-bas, c'est le Mahatzit Shekel des Adanim. Vous savez qu'est-ce que c'est que les Adanim C'est les socles. Les socles, il y en avait combien Il y avait 96 socles pour les 48 poutres. Parce qu'il y avait deux. Deux socles, deux adanimes pour le keresh. Ce qui fait 48 fois 2, ça fait 96. Et on avait quatre amudim qui étaient devant le, le petah hamishkan. Et chacun, il avait un aden. Alors, ça nous fait combien 96 et 4, 100 adanim. Combien ils ont réussi à fabriquer de kikarim, des kikarim, c'est-à-dire des lingots d'argent, avec... Le Mahatzit à Shekel qu'ils ont apporté à Moshe Rabbeinou dans le désert pour le Mishkan. Ils ont en ont fait. <coughs> ils étaient 600 000 personnes et quelques. Ils ont apporté chacun un Mahatzit à Shekel. 600 000 fois Mahatzit à Shekel, ça fait combien de Shkalim Ça fait 300 000 Shekel. 600 000 personnes qui apportent Mahatzit à Shekel, ça fait 300 000 Shekel. Avec les 300 000 Shekels, ils ont fait combien de Kikarim Mea Kikarim. Et combien de. Kikarim, il fallait pour fabriquer un socle m'apitom Un seul kikar. Kikar la Aden. Kikar la Aden. C'est un seul kikar pour chaque Aden. Donc ça fait Mea <coughs> avec Ils ont fait fondre tous les à Shekel. Ils ont fabriqué des lingots d'argent. Ils ont fait Mea <coughs> Kikarim. Ils ont fait Mea <coughs> Adanim. Et comme ça, on a des Adanim pour toutes les poutres du Mishkan. Très bien. Alors, la question de la Shmuel. Qu'est-ce que tu me fais lire en tant que parachat Chkalim Tu me fais lire ça Mais ce Mahatzit HaShekel, c'était pour les Adanim du Mishkan, c'était une fois dans l'histoire du peuple juif. Quel rapport avec notre Mahatzit HaShekel qu'on devait apporter chaque année pour les Korbanot C'est pas de là-bas qu'on apprend. Là-bas, il n'y a pas une mitzvah annuelle. Là-bas, c'est une mitzvah ponctuelle à l'époque du désert, pour la fabrication du Mishkan. Or, c'est Rav qui a raison. S'il y a une mitzvah de Mahatzit HaShekel, on le déduit comme un enseignant habite du pasuk dans Parashat Pinhas. Alors pourquoi tu nous fais lire, toi Shmuel, tu nous fais lire Parashat Kiti'as pour Parashat Shkalim, parce qu'il écrit Maratzi Tachekel, rien à voir. Là-bas c'est le Maratzi Tachekel du Mishkan, c'est pas le Maratzi Tachekel des korbanot qui était annuel. Ça c'est la question de Comment Oui, parce que il y avait un Maratzi Tachekel qui était à l'époque de la fabrication du Mishkan. Il a été il a été utilisé pour les hadanim. Mais c'est où Une fois. Une fois. Eh ben oui. Pourquoi on construit Mishkan chaque année? Mais on ne parle pas de ça. On est en train de parler. Qu'est-ce qu'on qu qu lit Qu'est-ce qu'on lit dans la, dans la. Alors voilà, c'est la question magmara Puisque là-bas on parle du Mahazita Shekel des Adanim, on ne parle pas du Mahazita Shekel des Korbanot, qu'on doit renouveler chaque année. Alors pourquoi est-ce que tu me fais lire par Achat Rav a raison de me faire lire par Pinhas en tant que Parashat Shkalim. Car là-bas, il y a la mitzvah d'apporter le Mahad annuel pour le renouvellement des corbanotes le... Question bombe Regardez Raboteil comme on a renversé la vapeur Ça veut dire que nous, on vit selon un rythme, et donc pour nous, ce sont des acquis, ce sont des conceptions, des normes de société. Et puis après, Tcharib, tu lis l'Agmara, mais tu dis... Mais c'est le monde à l'envers À la réponse, l'Agmara. Attendez Raboteil. écoutez la réponse, l'Agmara, elle est trop belle réponse magnifique shalosh terumot hen shel la qu'est-ce que ça veut dire? il y a écrit dans parashat qui trois fois le mot teruma. teruma, ça veut dire quoi? c'est un prélèvement. prélèvement, prélèvement, prélèvement. prélèvement. Où est-ce que nous voyons ça dans Parashat Kitissa Lisez les amis. c'est écrit, ⁇ Zeïtenu ⁇,⁇ Kola over la pecouti mahatsi ta shekel, ⁇ Beshekala kodesh ha'srim gera shekel mahatsi ta shekel, ⁇ Voilà premièrement terum ha'chem ⁇,⁇ Kola over la pecouti mahatsi terumat shekel, ⁇ Deuxième fois Terumal ha'chem, ⁇ Encore ⁇ Hirachir loyar bebe adal loyamaït mahatsi ta shekel, ⁇ La tête est Teruma ha'chem, ⁇ Les chapéral navsho terhem ⁇,⁇ Troisième fois Terumal ha'chem, les chapéral navsho terhem ⁇ Pourquoi c'est écrit trois fois Teruma Prélèvement, prélèvement, prélèvement. Alors il nous dit... Que le mahratit shekel il y en avait un premier pour le mishkan, pour fabriquer les socles, les adanim du mishkan. Un deuxième à shekel pour acheter les korbanot. Et ce mahratit ce c'est pas que à l'époque du, du mishkan, c'est chaque année. Celui-là, il est renouvelé chaque année. Troisième teruma, c'est pas mahratit shekel c'est kesef, c'est de l'argent, mais sans montant fixe. C'est pas mahratit shekel où il est dit et Rachir lo Yarbe, Non, c'est juste du kessef. Combien tu vas apporter Ce que tu veux. Beaucoup, un peu. Et à quoi il sert cet argent Au bedek abayit. à la restauration et au ravalement du Mikdash. Quand on a besoin de restaurer, alors avec quel argent on va le faire Tu apportes aussi de l'argent. Donc il y avait trois terumot. Première terouma, c'est Mahatzita Shekel, fixe pour la construction de Mishkan. Ça, c'était une fois dans l'histoire. Deuxième terouma, c'est la terouma de chaque année, c'est-à-dire Mahatsi Tadjikel pour les Korbanotes au mois de Hadar pour Oshhodesh Nissan pour démarrer une nouvelle année de Korbanotes. Troisième prélèvement, c'est le prélèvement d'argent, qui celui-ci n'est pas fixé dans un montant fixe, il n'y a, a, a pas, pas d'exigence, de, tu apportes ce que tu veux, ça c'est pour le BDKB. Voilà donc pourquoi elle te dit... Liparashat kitisa, c'est ça parashat shkalim parce que le, le terouma dont on parle, quoi, quoi, les al nafshot c'est quoi les chaper al nafshot C'est les korbanotes? Comment on expie nos fautes avec les korbanotes? Avec quoi? Avec l'argent du machatzit ha shekel, c'est ça la terouma numéro 3 Et Ashir shekel, la tête est terouma tachem les chaper al nafshot c'est les korbanotes avec le machatzit ha shekel. Donc maintenant on comprend la marloquette entre eux, c'est magnifique. Chacun, il a sur quoi s'appuyer. Chacun est défendable. Chacun est... <coughs> Maintenant, la Gemara pose encore une question. Elle ne s'arrête pas dans son analyse. Elle dit et <coughs> korbani La Gemara pose une question bombe. Elle dit encore d'après Shmuel qui dit que parachat kitisa c'est sa parachat shkalim. Alors, ça tombe très bien. Quand on a un euh, Rosh hodesh adar qui tombe Shabbat, qu'est-ce qu'on va lire en tant que Parachat Parashat Shkalim Parachat Shkalim Eh bien, c'est Kitty, ça. Qu'est-ce que je vais lire en tant que Parachat Rosh hodesh Eh bien, Parachat Pinhas. Mais d'après Rav qui dit que Parachat Shkalim, c'est Parachat Pinhas, c'est le sujet du Rosh Hodesh. Alors, quelle différence y a-t-il entre la lecture de Rosh Chodesh et la lecture de Parashat Shkalim C'est la même Waouh C'est une bombe atomique Rosh Chodesh Adar Shehaliyot Shabbat. Qu'est-ce que m'a dit la Mishnah Elle m'a dit, tu lis Parashat Shkalim, tu lis Parashat de Rosh Chodesh. Mais attends Mais d'après toi, c'est la même c'était Shabbat. Parashat oui. Et... Hein non, non, non. Ah, Rosh Chodesh Adar, qui tombe euh, Shabbat. Nous, qu'est-ce qu'on fait On fait sortir trois livres. Premier livre, on lit Parashat Shavuah. N'est-ce pas Six montées dans Parashat Shavua. Septième montée dans le deuxième livre. Qu'est-ce qu'il va lire dans le deuxième livre Rosh Chodesh. Où est-ce que ça figure Parashat Pinhas. Troisième livre, il va lire Parashat Shkalim. Où est-ce qu'elle figure Ça figure dans ça? Très bien. Ça, c'est d'après Shmuel. C'est superbe, c'est sublime. On a chaque lecture qui correspond à un événement. Parachat Shavua, Rosh Chodesh, Shkalim, Kol Davar, Al Yavo, Beshalom. Mais d'après toi, Rav, j'ai rien compris. Rosh Chodesh, c'est Shkalim, Shkalim, c'est Rosh Chodesh. Tu as deux en a? Alors, quelle est la différence entre un, un, un Shabbat Rosh Rodesh classique et un Shabbat parachat Shkalim <coughs> Mais pour toi, Parashat Rosh Chodesh ou Parashat Shkalim, c'est exactement pareil. Donc, un Shabbat de toute l'année qui serait Shabbat Rosh Rodesh, ou un Shabbat Shkalim, pour toi, il n'y a pas de différence. Puisque Rosh Rodesh qui tombe Shabbat, je vais lire aussi Parashat Rosh Rodesh. Donc, c'est comme un Shabbat classique, on ne voit pas... Comment il va être choné, chané En quoi il va être différent le Shabbat shkalim du Shabbat roshodesh normal Ma chinouille D'après toi, La L'Agmara répond, chané Oui, il y a une différence. La, quelle différence Alors là, les amis, attachez la ceinture, parce que maintenant, ça commence à être compliqué. Alors, la rabotaille, laissez-moi lire, comme ça, on va se concentrer. Shané, oui, il y a une différence. Des i En général, à Rosh Hodesh qui tombe Shabbat, normal. karushita de Yoma. Il y en a six, six montées qui vont lire le sujet du jour, la paracha de la semaine, Et le septième, il va lire le sujet de Rosh Hodesh. ça ressemble à ce qu'on fait. Mais ce n'est pas exact. Parce que nous, qu'est-ce qu'on fait On lit Maftir, Roche-Hodesh. Oui. Mais les sept montées, c'est la paracha de la semaine. À l'époque d'Akbaras, c'était n'était pas comme ça. C'était six montées euh, dans, ah, <coughs> comment on appelle ça, la, se la semaine, et la septième, Rosh hodesh Et après, le Maftir, il relisait Rosh hodesh D'ailleurs, nous, comment on fait Maftir Comment on fait Maftir On relit ah, oui. le dernier passage de la semaine. Eh bien, eux, c'était le septième qui allait lire le Hiddush, Rosh Chodesh, et le maftir, il relit. Bon, en tout cas, c'est comme ça qu'on faisait à l'époque d'Egmara. Donc, il lui dit, voilà la différence. Un Shabbat normal qui tombe Rosh alors il va y avoir six lectures, six montées dans la paracha de la semaine, et le septième, Vehad B'de Rosh Chodesh. Il va terminer, il va conclure, la, la septième montée avec le sujet de Roche-Rodèche. Bon, euh, regard... Non, 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 non. On est en train. De... Cette, question... Cette question, elle s'adresse à Rav. Rav qui a dit que. Vous avez oublié la question? C'était quoi la question La question, elle est sur Rave. Toi, Rave, qui dis que Parashat Shkalim, c'est Parashat Rosh Rodesh, alors quelle différence entre un Shabbat Rosh Rodesh classique de toute l'année et Shabbat Shkalim, puisque tu dis exactement pareil La question, elle est sur Rave. Rave est en train de répondre. Il dit, même d'après moi, il y a quand même une différence entre cette lecture d'un Shabbat Rosh Rodesh classique et Shabbat Shkalim. Je vais te montrer la différence. Bien que ce soit Shabbat Shkalim, c'est on a dit Shabbat Rosh Rodesh et Shkalim. Ne pas oublier. On parle d'un Shabbat Rosh Chodesh qui est Eroshrodesh et, et Shkalim. On avait dit Shabbat Rosh Chodesh, Shkalim. C'est différent d'un Shabbat Rosh Chodesh. En quoi c'est différent Il dit, Shané, c'est différent. De ilurach Chodashim, Hodashim, Karushita, Injana de Yoma. Un Shabbat Rosh Chodesh classique. Il y en a six qui vont lire le Inyana de Yoma, le sujet du jour. Vehad, Bede Rosh Et le septième, il va conclure la paracha comment en lisant le sujet de Rosh Hodesh, danaa, mais maintenant dans ce Shabbat qui est à la fois Rosh Hodesh et à la fois Shkalim, écoutez ce qu'il va dire kulehu beder Rosh Chodesh » Waouh Kulehu beder Rosh Hodesh. Toutes les montées, les sept montées, c'est que le sujet de Rosh Hodesh. Il n'y a pas de parachute à savoir. Wow. Ça c'est le chônet, ça c'est le chinouille. Donc il n'y a pas un chinouille par rapport à la teneur, par rapport au contenu. C'est le même contenu. C'est le même contenu. Sauf c'est le nombre de montées qui change. C'est que Roche-Rodèche, un, un, un Shabbat de roche classique, alors on a Parachat à chavoua, Et le septième c'est Roche-Rodèche. Ici, dans Parachat Shkalim, tout c'est Chodesh. Et pourquoi tout est Chodesh Parce que c'est Parachat Shkalim aujourd'hui. Et c'est quoi Parachat Shkalim C'est Chodesh. Et c'est quoi Chodesh C'est Shkalim. <laughs> Et la Parachat Shavuah, elle passe à l'as. Elle passe à l'as. Elle passe à l'as. Il n'y aura pas de lecture de Parachat Shavua. Elle sera décalée à la, au Shabbat prochain. Ça veut dire que c'est comme, comme si ça tombait Yom Tov. Qu'est-ce qui se passe lorsque Shabbat tombe Yom Tov eh bien par sa, sa voix, il est décalé. C'est comme ça que faisait Rav. Vous entendez Ça veut dire qu'il lit, mais dans Chodesh. Rabbi Shimon, il a envie de poser une question, je suis certain que sa question, elle doit être, mais il n'y a pas assez pour faire monter cette personne dedans. Parce que chacun il doit lire trois psukim. Qu'est-ce qu'on va répondre à Rabbi Shimon Hacham Eh bien, on, hein on répète. On répète et on répète et on répète. Bediouk, comme on fait bien Hanouka. Mais il y a quelque chose qui nous vient un petit peu là. C'est Shabbat d'abord. Ou à Soukot, aussi à Soukot. Ouais. À Soukot également. Non, on, va oui, à hein? on va lire six fois le passage de Hein? On va lire six fois le passage de Ronceronège. Lamalo. Lamalo. Ah, oui. ah. Quand tu fais Meronard, combien de fois tu dis Meronard <laughs> Il est choqué. Bon, C'est juste émotionnel. C'est hein. tout. Ça va, ça va, Vous allez résorber. Alors regardez après ça. Encore une question. Han yalemande amar les seder parashiot uchazer et la lemande amar les seder Aftarot uchazer ou parashta de yom kari nan maishane dit attends 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 qu'est-ce que tu m'as dit la parasha de la semaine elle passe à l'as bimmet c'est c'est vrai ce que tu as dit en plus ça correspond mamash au Lachon de la mishnah parce que dans la mishnah il y a une phrase qui a fait l'objet d'un grand débat entre les Amoraïm. On va le voir après. Qu'est-ce qui est écrit dans, dans la Mishnah Que le, cinqui, la, la cinqui, le cinquième Shabbat, on revient au Kesidran. Vous vous rappelez On avait dit quatre Shabbatot. Oui, 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 Shkalim, Zachor, Para, Chodesh. On a fini le Seder. Après ça, cinquième Shabbat, on revient au Seder. Ça veut dire quoi tu reviens au Seder Quel Seder tu as arrêté Pourquoi tu as arrêté un certain Seder Cédère, tu as arrêté Mahloket. Il y en a un qui dit on a arrêté le cédère des parachiotes. Il y en a un qui dit on a arrêté le cédère des haftarotes. Ça veut dire que dans les, parach les, les, les quatre parachiotes, c'est que le maftir qui a changé. Comme nous, comme nous, nous Rabotai. Les amis, nous, comment on fait On fait la paracha de la semaine normalement, on lit la paracha de la semaine, et après, on lit en tant que maftir, Parashat Zahor, Zachor, parasha de mais, et, et automatiquement, l'haftara, l'haftara, elle correspond au maftir. C'est-à-dire, les amis, quand euh, les haftarot, vous savez, juste, j'ouvre une parenthèse, je sors du sujet, d'accord Juste, vous savez que ce que c'est que les haftarot par, par quoi ça a commencé, les haftarot Le tosphotium tov, bravo, le tosphotium tov dit au nom du tishbi. Le Tishbi, c'est un livre qui a été écrit il y a à peu près 500 ans. Le Tishbi, lui, il écrit qu'à l'époque des Grecs, ils avaient décrété l'interdiction d'étudier la Torah. Et donc l'interdiction de lire la paracha. C'est-à-dire, c'était progressif. Ils ont dit d'abord, on vous interdit la lecture de la Torah en public. On ne peut pas lire la Torah. La paracha, on ne peut plus la lire. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait, les bénis Israël ils ont dit, vous nous laissez lire le Nakh, les prophètes, les agiographes Oui. Mais ne lisez pas la Torah en public. <coughs> ok. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait C'est sadikim, c'est Hachamim. Ils ont dit, on va chercher dans le Nakh des sujets qui sont en rapport avec la paracha de la semaine. Comme ça, si on n'a pas la paracha elle-même, au moins on aura le sujet de la au travers de haftara. C'est comme ça que les Haftarot sont nés. <coughs> Et même après que la xera itbatla, on a conservé le, le, la lecture d'haftaroth. Alors maintenant, regardez rabotaï. Il faut toujours que le, le sujet de la haftara corresponde au sujet de la conclusion de la paracha. Ou de la paracha, ou au moins de la, du maftir. Alors quand on va lire maftir, paracha shkalim la haftara ça va être quel sujet Un sujet de Shkalim n'est-ce pas C'est Où oui, Oyada oui. il avait fabriqué une grosse tirelire pour y mettre dedans les pièces du Mahatita Shekel. Alors les amis, il lui dit comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire quand la Mishnah a dit, après qu'on ait terminé et les quatre parashiot Chosrim le Kessidran, on reprend le Seder. De quel Seder tu t'es arrêté pour dire tu reprends le Seder il y en a un qui dit, c'est les parachiotes, on ne lit pas Parashat à on ne lit que Shkalim, on ne lit que Zachor, que un para, que. Et l'autre dit, non <coughs> La Parashat à bien sûr que tu dois la lire. Elle ne passe pas à l'as. C'est que le maftir qui change. C'est que le maftir. Alors, quand on dit on reprend le ceder, c'est le cédère des Haftarot. Mais la paracha, c'est sûr qu'on n'a pas arrêté, on n'a rien changé. La paracha de la semaine, on a toujours lu. Alors, l'Agmara, maintenant, pose. Alors, alors, deux secondes, on va expliquer la question de l'Agmara maintenant. La question de l'Agmara, elle est comme ça. Qu'est-ce que tu m'as répondu, Rav Quand je t'ai demandé, Rav, pour toi, quelle est la différence entre Shabbat Shkalim et Shabbat Chodesh classique Mais pour toi, c'est pareil. Car un Shabbat Chodesh, tu lis Rosh Hodesh. Shabbat Shkalim, tu lis Shkalim, Alors, quelle différence y a-t-il Il lui a dit, c'est la différence. Tu veux savoir c'est quoi la différence C'est que Shabbat de Rosh Hodesh, je lis d'abord la paracha de la semaine. Et après, je, le, le septième, il va lire Rosh C'est que la conclusion qui est Rosh Hodesh. Mais quand c'est Parashat de Shkalim, je ne lis pas du tout Parashat de Shavua. Je ne lis que Parashat Pinhas, la paracha de Rosh Hodesh. Que ça tu vois, il y a une différence ou pas Bien sûr qu'il y a une différence. Il y a une différence au niveau <coughs> de, du contenu de la paracha. <coughs> ici, tu lis paracha de semaine et paracha de Rochredèche. Ici, tu lis que paracha de Rochredèche. Ce n'est pas une différence C'est super différence. Et il lui dit Attends. Belle réponse. Mais d'après qui ça marche Que d'après une opinion. Mais pas d'après l'autre. Car on va voir une Mahloquette où il y a Emora qui dit que quand arrive. Les parachiotes, Shkalim, Zahor, Para et Achodesh, on efface totalement la paracha de la semaine. On annule la paracha de la semaine. C'est-à-dire annule et remplace. Vous connaissez annule et remplace. La paracha de Shkalim ou de euh, Zachor, elle, elle annule la paracha de la semaine et la remplace. Ça veut dire que la paracha de la semaine, on ne va la reprendre que plus tard. Alors il dit... D'après celui qui dit « hoser qu'on va reprendre le céder des parachiotes, tu as raison. Tu as donné une très bonne réponse. Tu as tiré ton épingle du jeu. Mais d'après celui qui dit que « mapitom » c'est juste le maftir, c'est juste l'aftara qui a changé dans Parashat Shkalim, mais pas la lecture de la Parashat. La Parashat, on la lit, alors que la question revient à la case départ. Quelle différence y a-t-il entre un Shabbat Rosh Chodesh toute l'année ou un Shabbat Shkalim Puisque Shabbat Shkalim, d'après toi, qu'est-ce que tu lis Le passage de Rosh Et toute l'année, quand il y a un Shabbat qui tombe Rosh qu'est-ce que tu lis La parasha semaine et Rosh Eh bien, c'est pareil. Ce Shabbat, tu vas lire parashat HaShavua et tu vas conclure avec Rosh Hodesh. Toute l'année, si tu as un Shabbat qui tombe Rosh Hodesh, tu vas lire Parashat HaShavua, et tu vas conclure avec Rosh Hodesh. Alors, quelle est la différence entre Parashat Kalim et, Par et un Shabbat Rosh Hodesh classique La question revient à la case départ. Et Rabotaï, vous allez être super choqué de la réponse. Regardez la réponse. Il lui a dit, « Chané. oui, il y a une différence. « Deilu Hodashim karushita berinyana deyoma » incroyable il lui a dit toute la différence c'est que par rapport aux personnes qui vont monter ça veut dire la lecture c'est la même c'est juste la répartition des montées dans le sens où un Shabbat classique qui tombe Roche-Hodesh, alors on a déjà dit, il y a six montées dans le parachat de la semaine, et la septième montée c'est quoi Parachat de Pinhas, Roche-Hodesh. Il dit, mais si c'est Shabbat Shkalim, les trois premières montées c'est la parachat de la semaine. Et les quatre dernières montées c'est Roche-Hodesh. Comme un Roche-Hodesh classique, il y a combien de montées dans un Roche-Hodesh classique Il y a quatre montées. <laughs> Ici tu vas avoir quatre montées. Et c'est d'ailleurs la majorité. 4 sur 7, c'est la majorité. Ça veut dire que tu as donné préséance le kavod à qui À Ashkalim, à Shkalim, qui est en fait la parachute de Rochrodèche. Mais, mais ça veut dire que, voilà, c'est toute la différence. La différence, elle n'est pas par rapport au sujet, par rapport au texte. Le texte, c'est le même. C'est juste la répartition des montées. En temps normal, il y a six montées dans Parachute à Chavoua. Et la septième, elle conclut avec Rosh Hodesh. Ça, c'est pour un Shabbat de Rosh Hodesh classique. Mais Shabbat Shkalim, trois montées dans le Parashat Shavua et les quatre dernières Rosh Hodesh. Et voilà la Maintenant, la Gemara va poser encore une autre question. Mais tive Roche Hodesh Adar shechaliyot beShabbat korin beParashat Shkaliim ou maftirin biyoyyada à kohen bishlamaleman de amar kitisa ainu de maftirin biyoyyada al kohen <coughs> de damile ke sef irko et de amar et korbani midami. dit j'ai un petit problème avec la conjonction de coordination. On a déjà dit que la haftara doit ressembler à la paracha, au maftir, n'est-ce pas Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un rapport entre la haftara et la paracha. Alors, Bishlama, d'après Shmuel, qui a dit que Parashat Shkalim, c'est la Parashat de Kitissa, là-bas on parle de quoi De Mahatzit HaShekel. Dans la Phtara de Veichhot Yoyada, de quoi on parle On parle de ce qu'il avait fabriqué des, euh, des tirelires pour y mettre là-bas, le Machatzita HaShekel, que chacun a apporté, nef, euh, Kesef, Nafshot, Erko. C'est-à-dire. Kesef Nafshot c'est-à-dire que chacun il a apporté le Kesef qui était en, en, en quelque sorte une capara pour son nefesh, au travers des korbanotes. Et en effet, il est écrit dans Mahatzit HaShekel, Lecha Per nafshot Echem. Mais d'après Rav, quel rapport, on parle pas du tout de Mahatzit HaShekel. Dans la parasha de Pinhas, on ne parle pas clairement de Mahatzit HaShekel. On ne parle pas de Kesef. Où est-ce que tu vois le mot Kesef dans Parashat Pinhas Nulle part. Alors, comment tu peux faire une Haftara de et Oyada où on parle de Kesef Kesef Ce qu'il avait fait avec les trois coupotes et ce qu'il avait fabriqué avec la grande coupa ou Veikov Horbe Dalto et ainsi de suite. Mais, mais ça n'a pas de rapport. Tu parles d'argent. Mais quel rapport avec la Parashat On n'a pas parlé d'argent. La réponse, elle est prévisible. Vous l'avez compris. Vous l'avez compris c'est que, oui, il y a un rapport. « Kedé Rabitavi. tavi »« Dame, kedé Rabitavi. tavi » Oui, il y a un point commun entre la paracha et la Haftara. c'est comme avait dit « tavi ». Qu'est-ce qu'a dit « Rabitavi? Que l'argent du « mahatzit à » allait servir à l'achat des corbanotes. Et les corbanotes, c'est pour... Euh, toute l'année, c'est pour être euh, « mechaper »« nous Donc... En effet, Kesef Napshot Erko, que tu vois dans le Maharzitah Shekel de Yoyada, c'est-à-dire dans l'argent qu'il avait euh, organisé, eh bien, c'était pour quoi faire C'était pour acheter les Korbanot avec l'argent nouveau depuis Roche Hodesh Nissan. Et d'où on a pris ce, d'où on a pris que depuis Roche Hodesh Nissan, il faut renouveler l'argent. Qui est-ce qui se rappelle quel pasouk Et où est-ce qu'il figure ce passouk Bravo Zot hodesh, behotcho, lehoche hashana qui figure dans parashat pinhas. Donc il lui dit, bien sûr que c'est en rapport. Puisque c'est là-bas que j'apprends le dîme du Mahazita Shekel annuel. Alors va y qui parle du Mahadita Shekel, c'est en rapport direct. Même s'il n'y a pas écrit le mot Kesef, il n'y a pas l'argent, mais il y a l'odeur de l'argent. Il y a la couleur de l'argent. Puisqu'on te dit qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, avec quoi tu vas faire cette mitzvah d'acheter les corbanotes Avec de l'argent. L'agmara pose encore une autre question. Métive. C'est une kushia encore sur Rav. « Haliyot Ben milfaneha, <mangkayak> ben Si Rosh est tombé dans la paracha qui est proche de, de Shkalim » On a dit que Rosh Chodesh, il peut tomber soit avant Shabbat, <coughs> soit euh, 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 pardon, il peut tomber soit pendant Shabbat, soit pendant la semaine. Ouais. Très bien. Alors, ha liyot ba asemuchala ben milifaneha ben milah korinotah kori nota ve kofli nota ha'inu la Gemara va poser une question à Rav et je vais le dire d'abord oralement, et ensuite on va relire dans le texte. Il est écrit dans la Braïta que si la paracha de Shkalim, qu'on a lu le Rosh à Dar, puisqu'on a dit que Shabbat, qui tombe Rosh à Adar on lit paracha de Shkalim, bien sûr. C'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. La Braïta nous parle d un, d un, de, de circonstances particulières. C'est quoi C'est que cette paracha de Shkalim, qui est tombée, Rosh Chodesh Adar, en fait, elle correspond exactement à la paracha suivante. C'est-à-dire que le Shabbat qui viendra après ce Shabbat de Rosh Chodesh, on va, on, va, on va se retrouver avec le même sujet qui va être lu. Ou bien le contraire, c'est que la paracha de Shkalim, <coughs> on l'a lue avant Rochrodèche. <coughs> Et donc, on va relire la paracha d'après, encore la même chose. C'est-à-dire que ce, cette paracha de Shkalim-là, elle peut tomber soit avant la paracha X, je ne lui donne pas de nom, soit avant paracha X, soit après paracha X. Cette paracha X, c'est quoi C'est une paracha de la semaine qui ressemble à paracha de qu'on a déjà lu le Shabbat d'avant ou qu'on va lire le Shabbat d'après. Cette paracha X. Alors, la Gmara dit cette paracha X, c'est quoi D'après Rav, écoutez Rabotai, qu'est-ce que c'est que la question D'après Shmuel, on comprend ici. La L'Abraïta qui nous dit Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Tu peux lire ce Shabbat, ce sujet, et tu peux le relire le Shabbat, le shabbat suivant. D'après Shmuel, on a compris c'est quoi, ce n'est pas grave. C'est que Parashat Shkalim, c'est quoi C'est le début de Parashat Kitisa. Et le Shabbat d'après, qu'est-ce que tu vas lire Parashat Kitisa. Parce que la Parashat de Kitisa, elle tombe en général dans quel mois Aidez-moi. Adar! Étant donné que parashat Kitissa, ça tombe toujours au mois de Hadar, alors on pourrait avoir une juxtaposition. Le Shabbat de Shkalim et le Shabbat de Kitissa, ils sont l'un après l'autre. Ils sont mitoyens. Ça arrive. Et donc, puisque ça peut arriver, la Braïta te dit ce n'est pas grave. Korinota nota, vekofli nota. Tu la lis une fois et tu la lis une deuxième fois. Mais d'après Rav qui dit que euh, c'est Parachat t... Pinhas, comment la Baraita a pu envisager un cas impossible Est-ce que c'est possible que Parachat Shkalim tombe à côté de Parachat Pinhas Mais Parachat Pinhas ne tombe jamais au mois de Hadar. Donc c'est inenvisageable. Comment la Baraita a pu parler d'un cas qui est impossible Mais la question, elle est comment rave? Il va contredire la baraita. Exactement, c'est ça la question. La gemara répond: In libné Maharava démasquer de oraïta des Respirez un coup avant que je vous donne la réponse. La gemara. La gemara dit: Tu veux savoir? De, de, de qui elle parle cette baraïta Elle parle pas de nous. Elle parle des béné Eretz Israël. À l'époque, en Eretz Israël, on lisait la Torah en trois ans. Ça veut dire que la lecture paracha, elle était divisée en trois. Nous, on lit une Paracha, combien de temps ça nous met à Trois quarts d'heure, par exemple Eh bien, à l'époque, ça mettait un quart d'heure. Vous savez pourquoi Il ne lisait qu'un tiers paracha. En trois ans, il terminait la Torah. Il ne faisait pas Simhat Torah hein, par rapport à la lecture de toute la Torah. Ça veut dire que il terminait la lecture de toutes les parachutes de la Torah, pas en un an, en trois ans. Ça veut dire que chaque Shabbat, il ne lisait qu'un tiers de ce qu'on lit, nous. En trois semaines, on terminait une paracha. Alors maintenant, écoutez, d'après cette lecture-là. Il peut avoir, il, on, on peut avoir parachat Pinhas au mois de Hadar. Et si Parashat Pinhas il tombe au mois de Hadar, tu as compris maintenant le sujet. Comment est-ce qu'on pourrait avoir une juxtaposition de Parashat Shkalim et Parachat Pinhas Tu as dit, mais comment ça peut, il peut y avoir deux Shabbatot qui sont mitoyens, qui sont juxtaposés Tu dis Parashat Shkalim et Parashat de la semaine. Et, et tu relis deux fois la même chose. Mais tu peux pas relire deux fois la même chose si Parashat Pinhas, ça tombe pas dans le mois de Hadar. Il dit oui, ça peut tomber dans, dans le mois de Hadar selon le rite de l'époque où les Bnei Maravava, les habitants d'Eretz Israël, ne lisaient pas toute la Torah en un an, ils lisaient la Torah en trois ans. Et donc, étant donné que chaque, chaque Shabbat ils lisaient que un tiers de la Parashah, on pouvait avoir, dans une année, où Parashat Pinhas Tombe au mois de Hadar. Et donc voilà pourquoi il fallait nous dire que même si ça tombe au mois de Hadar, ce n'est pas grave. On lit Parashat Shkalim un Shabbat et on lit Parashat Pinhas l'autre Shabbat. Et c'est quoi Parashat Shkalim d'après Rav Pinhas. Voilà comment Rav a répondu à la quatrième objection qu'on lui a adressée. Alors à Botaï, la Gmaradi, Tania Kavaté à qui on va donner raison on va donner raison à Shmuel, puisque la Baraita que l'on trouve ici, elle dit exactement comme lui. Et c'est ce qu'on fait. Parashat Shkalim pour nous, c'est pas Parashat Pinhas. Tania Kavatei Lishmuel, Rosh Chodesh Adar Shehaliyot B'Shabat, Korin kitisa Ou Maftirin Yehoyadah kohen. Alors en effet, la Baraita a conclu, c'est-à-dire on a trouvé une Baraita qui enseigne comme Shmuel, donc voilà pourquoi la Halakha, elle est comme Shmuel, et c'est comme ça qu'on fait. Tania Kavatei Lishmuel, Rosh Chodesh Adar Shehaliyot Korim Kitissa. Omaftirin, Maftirin beyol kohen. Et donc c'est Kitissa et pas Pinchas », bien que l'opinion de Rav est tout à fait défendable. Amarabi napara. Et maintenant la Gemara va nous décrire le déroulement. Amarabitzak napara. Qu'est-ce qui nous enseigne Rabbi napara? Rosh Hodesh Adar shehal yod b'Shabbat. On va avoir trois livres. Comment on le fait On fait sortir trois livres. Pourquoi on fait sortir trois livres Pourquoi on ne roule pas Pourquoi on ne déroule pas le Sefer pour aller d'un endroit à l'autre Parce que ce serait faire attendre les gens inutilement. Et on n'a pas le droit de faire attendre les gens. Pendant qu'ils sont en train de ne rien faire. C'est pour ça qu'on fait sortir trois livres pour passer directement de l'un à l'autre. Ils sont tous prêts à la page. Ils sont réglés. Et sont réglés. Comme ça, les gens n'attendent pas pour rien. Il n'y a pas de tirhad et tziboura. Dans le premier livre, on lit la paracha de la semaine. Dans le deuxième livre, on lit le sujet du roche rodesh, Dans le troisième livre, on lit Kitissa qui est paracha de Shkalim. Encore un enseignement. De Rabbi Yitzhak Est-ce que vous voulez savoir pourquoi est-ce qu'il a dit, il a dit ça? <coughs> eh bien, vous avez ici, tadir vesheno, tadir, tadir kodem. On va dans l'ordre de la régularité. Qu'est-ce qui est régulier, la paracha d'asmen? Qu'est-ce qui est moins régulier, rosh Qu'est-ce qui est encore moins régulier, parasha Shkalim? Veama <coughs> Rabbi rosh chodesh tevet. Shalosh torot. Pareil Rosh Tevet qui tombe à Hanouka, alors on va faire sortir trois torotes, c'est-à-dire trois sefer torah. Mais corinne bahem, Ve بعנינו של yom, Had Ve חודש, et Had Et on va lire pareil. Premier livre, la paracha de la semaine, deuxième livre, le sujet de Rosh Hodesh. troisième livre, le sujet de Hanouka. L'agmara se demande pourquoi est-ce qu'il avait besoin de nous enseigner la même chose pour Hanouka comme pour Shkalim. <coughs> Est-ce que ça ne suffisait pas de nous dire, soit pour Shkalim, soit pour Hanukkah? et nous on aurait fait la comparaison C'est-à-dire que Rabbi Yitzhak Napara aurait parlé soit de Rosh Chodesh Adar qui tombe par un chat Shkalim, <coughs> Rosh Rodesh Adar qui tombe Shabbat, donc on fait sortir trois livres, un pour par un chat de la semaine, l'autre pour l'autre pour Shkalim. Et j'aurais compris que c'est pareil pour Rosh Chodesh Tevet qui tombe à Hanouka. Premier livre parachat de la semaine, deuxième livre Rosh Hodesh, troisième livre Hanouka. Ou l'inverse, pourquoi il avait besoin de se répéter Réponse, Utsriha, c'était nécessaire. Car sinon, on n'aurait pas fait la comparaison, on aurait pu croire qu'ils sont incomparables. Des mar BeHa, si on nous avait parlé juste de Rosh Chodesh Tevet à Hanouka. Beha ka amar J'aurais dit qu'il faut trois livres que par rapport à Chanukah. Aval rav kirav sevirale, de amar paracha de Shkalim et korbani lachmi, ou bichet torot sagi kamash malam. Mais si, si c'est la paracha de Shkalim, on aurait dit pas besoin de trois livres, que deux livres suffisent. Pourquoi Car le dans le premier livre, qu'est-ce qu'on va lire Paracha de la semaine. Deuxième livre, qu'est-ce qu'on va lire Parachat Rosh Chodesh. Troi troisième sujet, c'est quoi C'est Shkalim. Et c'est quoi Shkalim d'après Rav C'est Bin c'est Chodesh. Donc on n'a pas besoin de trois livres. On aurait pu croire que deux livres suffiraient. Et c'est pour ça que Rabbi Tshagna Parah te dit non, je ne suis pas d'accord avec Rav. Moi, je pense comme Shmuel. Et donc il faut trois livres. Parce que le troisième livre, c'est le sujet de Kitty. Ça c'est pas le sujet de, de pinhas. l'agmahadi velo Bayah, ok. alors, rabbi Napara, tu aurais pu m'enseigner l'histoire des trois livres que par rapport à parashat Shkalim et j'aurais compris pour hanouka. dit, en effet, c'est vrai. lui, quand il s'est exprimé, il s'est exprimé que pour Shkalim. il n'a pas parlé de hanouka. hanouka, on l'a déduit que par déduction. Lui, il n'a pas parlé de Hanouka, Il a parlé que de Shkalim. Nous, ensuite, on a dit d'après lui, puisqu'il exige trois livres pour Shkalim, un pour Parashat Asmen et l'autre pour Rosh et l'autre pour Shkalim, certainement, il dirait la même chose à Hanouka. Si Rosh Chodesh tevet tombe pendant Shabbat, il, il exigerait également trois livres. Pour pas faire attendre le Tzibour jusqu'à ce qu'on enroule, eh bien, il exigerait trois livres un pour la parashah de la semaine, l'autre pour Rosh et l'autre pour Hanouka. <coughs> et maintenant, la Gemara va nous parler de rosh hodesh tevet qui tombe un jour de hol. Un uh, rosh hodesh tevet qui tombe en semaine, pas Shabbat. Itma, rosh hodesh tevet chaliot behol, amar abitchak napaha, karut lata be hodesh ve'had be Haifa Qu'est ce que ça veut dire? La Gemara nous enseigne ici une mahloket Andrabi Tsrak Napara et Ravdimi de la ville de Haifa, à savoir comment répartir les montées lorsque Rosh Hodesh Tevet qui tombe pendant Hanukkah. et évidemment ce jour là on doit faire monter quatre personnes. Pourquoi on doit faire monter quatre personnes, comme tous les Roch Hodesh, où on fait monter quatre personnes, pas comme un jour classique de Hanouka où il y a que trois montées. Il y a quatre montées. Alors la question est de savoir combien de personnes vont lire dans le sujet de Roch Hodesh et combien de personnes vont lire dans le sujet de Hanouka. Alors ici il va y avoir une double mahloket. entre Rab Yitzhak Napara et Rab Dimi de Haïfa, une double mahloket. Premièrement, c'est dans l'ordre. Selon Rav Dimi, pardon, selon Napara, c'est d'abord le sujet de Rosh Hodesh. et ensuite le sujet de Hanouka. Tandis que Rav Dimi de Haïfa, dit le contraire. D'abord le sujet de Hanouka et ensuite le sujet de Rosh Hodesh. Donc, premièrement, ils sont en mahloquette au niveau de l'ordre de ces deux sujets. Deuxième mahloquette, c'est combien de personnes vont monter dans le premier sujet, combien dans le deuxième sujet Selon Rav Napara, il y en a trois qui vont monter dans le premier sujet de Rosh Chodesh, et un seul qui va lire tout le sujet de Hanouka. Voilà donc le quatrième, il va lire le sujet de Mais d'après Rav Dimi, qui a dit que d'abord c'est le sujet de Hanouka en premier, alors il va dire, on va faire monter les trois dans le premier sujet, qui est Hanouka et un qui va lire dans le deuxième sujet, qui est Rosh Chodesh. L'Agmara va chercher à donner raison à qui Aravitzrek Napaha, qui a dit d'abord Rochrodesh et ensuite Hanouka. Pourquoi Parce qu'il y a une règle. Tadir, les tadir, tadir kodem. Bravo Quand on a une mitzvah qui est fréquente et une mitzvah qui est irrégulière, alors on donne priorité d'abord à la fréquente. Alors entre Rosh et Hanukkah. Évidemment que Rosh c'est 12 fois par an, alors que Hanukkah, c'est qu'une seule fois par an. Donc il faut d'abord commencer par le sujet du Rosh Comme ça dit l'Agmara. « Amar Amarabi Mani, Kavate de Tzrek Napara, Mistabra, De Tadir, à eno Tadir Kodem. Une mitzvah régulière, une mitzvah irrégulière. On commence par la régulière. Alors comment se fait-il que Rabbi Rabdimi a dit le contraire Écoutez la réponse. Amarabi Avin, Kavate de Rabdimi, Mistabra. La, la raison de Rav Dimi, Rav Avin, Rabbi Avin l'a donnée, elle est extraordinaire, elle est spectaculaire. Vous allez tomber raide. Il va dire c'est Rav Dimi qui a raison de mettre Hanouka en premier lieu et Rosh Hodesh en quatrième montée. Il va y avoir trois. Qui vont monter dans le premier sujet qui est Hanouka et un quatrième qui va lire le deuxième sujet qui est Rochedesh. Vous voulez savoir pourquoi? Il dit parce que qui est-ce qui a causé l'existence d'une quatrième montée? Est-ce que c'est Hanouka ou c'est Rochedesh? C'est sûr que c'est Rochedesh, car à Hanouka il n'y a jamais quatre montées. Hanouka il n'y a que trois montées à Hanouka. Donc c'est qui qui a déclenché la, la quatrième montée? C'est le passage de roche C'est pour cela que le passage de roche il arrive en quatrième montée. <laughs> il dit, Hanouka, tous les jours de Hanouka, on a combien de montées Trois, Cohen, Lévi, Israël. Ça, c'était tous les jours. Et voilà qu'arrive un jour qui s'appelle roche -redèche. Ce jour de roche du coup, j'ai quatre montées. Alors, Abdi Midi, tu veux savoir Cette quatrième montée, ce sera Roche-Rodèche. Et nous, comment on fait <coughs> non, on fait d'abord roche <coughs> Regardez, la, la Gemara demande <coughs> Qu'est-ce qu'on va faire maintenant concrètement <coughs> Rabbi Yosef Amar, en Majgihin be Roche-Rodèche. Amar, en Majgihin be Hanouka. <laughs> Mahloket. Rabbi Yosef va dire On ne tient pas compte de roche Et Rabbi va dire on ne tient pas compte de Hanouka. Qu'est-ce que ça veut dire, on ne tient pas compte Ça veut dire, quelle sera la prioritaire Laquelle va passer en premier Eh bien, pour euh, Rabbi Yosef, c'est comme Rabbi Tzraik Napara, qui a dit que d'abord, on commence avec le sujet, pardon, euh, comme Rabbi Dimi, qui a dit que d'abord, on commence avec le sujet de Hanouka. et là, on va lire les trois premiers, et ensuite... Et ensuite, on va lire le quatrième, Rosh Hodesh, comme Rav Dimi. Et Rabba va dire comme Rabbi Tzrek En d'abord, on met Rosh Hodesh en premier lieu. On a trois montées dans le sujet de Rosh Hodesh. Et le quatrième va lire le sujet de Hanouka. Ve'il En ve ve Rosh Hodesh Et la halacha, elle est comme ça, que quoi Qu'il faut faire comme Rabbi Napara, qui a dit d'abord Rosh Hodesh, et ensuite Hanouka il va lire le quatrième.